Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est The Sport Gamer et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et plus précisément aujourd'hui le deuxième tutoriel sur notre ami Sony Vegas Pro 11. Et vous l'avez certainement vu dans le titre de la vidéo aujourd'hui, pardon, je vais vous montrer comment en fait enlever les petites bandes noires qui parfois sont présentes le plus souvent sur les jeux vidéo, ça dépend des formats. Voilà, donc en tout cas enlever les formats ou même faire un zoom. Enfin bon. Déjà il faut avoir votre vidéo. À mon avis, c'est simple. Une fois que vous aurez votre vidéo, eh bien vous cliquerez sur la bande vidéo, donc le truc bleu, dans la frise chronologique. Ça s'appelle pas comme ça, mais la frise. La bande de la vidéo, voilà, on va appeler ça comme ça. Vous faites un clic droit dessus et vous cliquez sur voir en panoramique ou recadrer l'événement vidéo avec le petit logo, un petit carré vert entouré de quelques lignes bleues. Vous cliquez donc dessus. Voilà. Et arrivé là, attention, alors je sais pas ce qui se passe. On va aller chercher parce que là, il s'est un peu caché. Monsieur? Monsieur? Venez. Voilà. Non, non, on est. Ah, ok, on peut l'intégrer au truc. Ouais, mais non, monsieur, j'ai besoin de vous. Voilà, merci. Voilà, donc, ce qu'on va faire, si je ne me trompe pas, nous, on va écarter. Non. Non. Non, 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 j'ai rien dit. Attendez, on va toujours placer comme il faut. Voilà. Où est-ce qu'il faut aller? Ah, oui. On va aller dans Source. Conserver les proportions. Là, vous cliquez sur non. Voilà. Et vous voyez que les joyeuses bandes noires sont effacées. Voilà. Et après, bah, vous pourrez jouer un peu avec le cadre, avec le petit cadre en petit pointillé. Vous voyez que vous pourrez jouer un peu avec les zooms, etc., etc. Voilà. Enfin voilà, ben c'était un petit tuto, hein. J'aurais très bien pu en faire un tutoriel express. Enfin bon, le seul truc qu'il faut retenir, c'est cliquer clic droit sur la bande vidéo, voir en panoramique, aller sur source et mettre nom en conserver les proportions. Voilà, c'était un petit tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez trouvé votre bonheur. En tout cas, je vous invite à aimer la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos. Et portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao les gens! And you let her go.